9 signes super importants d'un manque de magnésium et tu vas voir, les derniers vont te surprendre. Mais avant, si tu veux rester en bonne santé avec des conseils et des informations expliquées simplement, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important, je compte sur toi. Je précise évidemment que ces signes sont non spécifiques, ils peuvent entraîner quelque chose de plus grave, être à l'origine de quelque chose de plus important, donc pense bien évidemment à consulter. Numéro 1, signe très important, la chute de cheveux. Numéro 2, les insomnies, si tu as du mal à dormir ou même que tu as du mal à t'endormir. Numéro 3, un mal de tête. Je sais qu'un mal de tête peut être à l'origine de plein de choses, donc si tu as des mal de tête, des maux de tête fréquents et très forts, n'hésite pas à consulter. Mais cela peut traduire également une carence en magnésium. Numéro 4, pareil, le mal de dos peut être aussi à l'origine d'un manque de magnésium. Numéro 5, une sensation d'oppression. Numéro 6, un manque de concentration. Si tu as du mal à réviser, à te concentrer, n'hésite pas à prendre du magnésium, ça peut vraiment t'aider. Et numéro 7, facteur très important, le stress. Signe numéro 8, de l'irritabilité. Si tu es très facilement énervé, que tu as envie de t'énerver contre les gens de manière générale, alors qu'il n'y a parfois aucune raison ou des raisons très minimes, c'est que tu es peut-être en manque de magnésium. Et le 9e signe, signe très très caractéristique, le tressautement des paupières. Cela peut signifier réellement que tu as un gros manque de magnésium. Dis-moi dans les commentaires si tu es en manque de magnésium et si tu ne sais pas, je te donne.